Brassier, euh, nous bonjour sommes... aux téléspectateurs, nous bien heureux sûr de vous recevoir pour ce troisième livre que vous venez de faire paraître, La Fin de l'espèce humaine, aux éditions de Chiré, après avoir publié. L'homme artificiel, en collaboration avec votre fille, Godelène Lafargue, oui, qui est docteur en philosophie. Docteur oui. en philosophie et euh, l'ultime transgression, transgression refaçonner l'homme, euh, toujours aux éditions de Chiré. Euh, et ces livres, vous euh, ne touchez pas de droit d'auteur. Euh, parce que vous estimez que vous voulez baisser le prix de ces livres pour qu'ils soient le plus répandus possible. C'est ça, exactement. Et puis j'ai envie de dire, c'est dans votre nature, vous n'êtes pas un homme à toucher des droits, vous êtes plutôt un homme à donner. Et avoir des devoirs aussi, <laughs> Et avoir ouais. des devoirs. Vous avez euh, créé, cette... vous êtes président de l'Association catholique des infirmières et médecins. Euh, mmh. Vous dirigez les cahiers Saint-Raphaël qui sont... Euh, qui est une revue de, de haute valeur et haute... Euh... Oui, c'est la dernière revue européenne d'éthique, en fait, euh, qui est un, et c'est substantiel, puisque c'est 120 pages à chaque fois, ouais. donc c'est un petit ouais. livre à sortir tous les trimestres. Et si, vous, si les téléspectateurs euh, et auditeurs veulent vous suivre, vous donnez à présent une chronique... Euh, J'ai donné euh, à vous présent. Vous avez ouais. donné pendant ouais. très longtemps euh, sur... Euh, euh, des, des, des notes d'éthique, justement, euh, des nouvelles euh, d'éthique. Euh, et puis, euh, dernière façade, dernière face, pardon, de votre personnalité, cette action euh, de, de soins euh, médicaux. Euh, – Oui, vous parlez sans doute de la mission mer, voilà. euh, Rosa Mystica aux, voilà, Philippines, aux Philippines, que j'ai montée, effectivement, voilà. qui a pris un développement extraordinaire. Nous avons monté trois dispensaires dans mmh. l'île de Mindanao, mmh. euh, au sud de Mindanao, qui actuellement est sous la loi martiale, malheureusement, ce qui va nous obliger à, pour la prochaine mission… Mmh à cause de l'ambassade, à aller dans une autre île qui, qui en, en, en soi, n'est pas mal. – Qui a des besoins aussi. Euh, – Toutes les îles ont, ont des besoins, ouais. même à côté de grandes villes comme Iloilo, -Ilo, il y a la misère qui règne, mmh. alors que c'est là où sont toutes les facultés, c'est l'île la plus riche. Oui. – mmh. ouais. Alors nous avons euh, en face de nous, en fait, un peu un, un docteur Albert Schweitzer. Oui, si <laughs> on <veut. rire> Attention aux fourmis. Je n'ose pas. Je Attention aux fourmis. Oui, je n'ose pas <laughs> me comparer à lui. Donc, mais... c'est un grand honneur pour TV Liberté. Alors, ce... ce... Ah ben, j'y suis très bien, TV Liberté. <laughs> oui. Alors, peut-être on va commencer par euh, votre premier livre, L'homme artificiel, et c'est sur le moralement correct. Parce qu'en fait, il est toujours d'actualité, et la situation étant de pire en pire... <laughs> Et peut-être faire le point sur votre premier livre, cet essai sur le moralement correct. Eh bien, tout simplement, en regardant ce qui se passait, par exemple, euh, la destruction de la famille, euh, des choses comme euh, l'avortement, mais aussi des destructions comme l'agriculture, la nécessité de lire, nous avons affaire à un monde qui est en train de s'écrouler, on a l'impression. Et je me suis posé la question « Où va ce monde ?» Et c'est la couverture qui vous donne la clé. Mm. Et quand j'ai dit ça, j'ai dit « Mais on, on est fou !» Et Mais Cassandre a toujours tort. Mm. Si vous regardez Et Cassandre la... n'était pas aimée à Troyes. Et Cassandre n'était pas aimée. Donc si vous voyez cette couverture, vous voyez un personnage incertain, mm. On se demande euh, qui est-ce qui oui. projette une ombre sur une fleur qui semble être la dernière fleur. Oui. En fait, ce personnage, qui est-ce Est-ce un homme transformé en robot oui. ou un robot transformé en homme oui. Et ça, c'est la oui. clé de ces trois livres. C'est la disparition de l'espèce humaine par hybridation avec la machine. Alors quand j'ai dit ça, on m'a dit, dis donc, t'es complètement fou. Remplacer, remplacer, robotiser un homme, euh, qui penserait ça bon. mm. Si vous me permettez, lire simplement trois citations. Mm. Le monde est né sans l'homme et il a tous les risques de terminer sans lui. C'est Lévi-Strauss mm. qui a dit ça. Mais surtout, donc, Stéphane Hawking, oui. qui est actuellement le plus grand scientifique, a dit quand le cerveau humain sera mis sur disque dur. Ce sera le plus grand événement de l'histoire du monde, de l'histoire humaine, pardon, mais je crains que ce ne soit le dernier. Ce pas moi qui dis ça. Bon. Et Stéphane Hawking est, est quelqu'un qui. Euh est l'un des premiers à avoir mis au point des systèmes pour l'aider dans sa maladie, puisque il, ah oui, il a une oui, terrible maladie de Charcot et qu'il est, est oui, dans est un fauteuil et qu'il... Une... Il a mis au point tout un système si. pour pouvoir encore parler, voilà. notamment. Alors, il a dit aussi, les formes primitives d'intelligence artificielle que nous avons déjà, se sont montrées très utiles. C'est vrai que dans la vie courante, c'est très, cou très bien d'avoir un, un GPS, par exemple, mais je pense que le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à l'humanité. Une fois que les hommes auraient développé l'intelligence artificielle, celle-ci décollerait seule et se redéfinirait de plus en plus vite. Les humains limités par une lente évolution biologique ne pourraient pas rivaliser et seraient dépassés. Voilà. Et un petit additif le dernier. Le professeur Testard. Oui. Le professeur Testard est un homme qui a fait véritablement un chemin étonnant. Oui. C'est lui qui a fait la première fécondation in vitro. Oui. Ça n'est pas Friedman, comme le politiquement correct le dit. Pourquoi Parce que Testard s'est rendu compte qu'il avait ouvert une porte et il ne savait pas où mener cette porte. Et il le constatait maintenant. Un peu d'ailleurs comme Madame Veil, qui avec sa loi sur l'avortement s'est retrouvée dans, la, dans, la, dans les manifestations contre le mariage homosexuel. Et le professeur Testard, en fait Friedman a fait l'accouchement, comme j'étais accoucheur ou ma femme sache femme on aurait pu le faire aussi bien que lui. Bon, modifier la nature de l'espèce humaine, mais de quel droit Ça, c'est une question de quel roi modifiant Car le transhumanisme propose au final la fin de l'humanité. Alors revenons à notre personnage. Eh bien cette fleur représente l'ordre naturel. Il représente la nature tel que Dieu l'a créé sous la forme d'une fleur, ce qui est quelque chose de très épanouissant psychologiquement. Voilà. Oui, mais enfin, et... vous, vous évoquez, euh, oui. euh, docteur Dikès, vous évoquez Dieu, euh, les, la, les trois quarts des scientifiques contemporains et, et Monsieur Google qui est euh, qui est euh, oh, 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 qui est le maître de, oui, de, le, de, le meneur, le meneur. de tous ces développements euh, se moque de Dieu. On est en plein danger. Mais c'est un défi à Dieu, ça, c'est sûr. C'est oui. d'ailleurs euh, l'ultime transgression. Oui. Le deuxième livre que j'ai écrit, l'ultime transgression, c'est la transgression de quoi De l'ordre naturel qui nous a fait homme. Qui fait que nous avons une filiation, que nous avons des enfants, et c'est ça qu'il faut détruire, et c'est ça qui est fait actuellement avec une vitesse accélérée, et que d'ailleurs le pape contribue à accélérer aussi à son niveau. Mm. J'ai pas peur de le dire, hein, je dis ce que je pense. N'ayez hein. pas peur, euh, si et, et le domaine de la parole, de la libre parole. <laughs> Oui, mais je voudrais comme pas me battre avec, avec certains des, des, des téléspectateurs. Non, Alors, l'aboutissement, c'est ce livre qui s'appelle « La fin de l'espèce humaine oui. », où là, je donne les éléments, mais très, très largement. En réalité, si vous voulez, c'est derrière, c'est le transhumanisme. Comme vous disiez, avec beaucoup de justesse, la plupart des scientifiques sont dans ce courant-là. Pourquoi Je me suis posé la question et j'ai vu que, par exemple, des chirurgiens de très haute volée avec lesquels je travaillais, quand on leur parlait, c'était des pauvres types. C'était des gens qui avaient rien à dire. C'était des gens qui ne réfléchissaient pas. À qui on n'a rien appris. Ou à qui on n'a rien à appris. À qui l'Église n'a rien appris. Or, tous ces savants qui sont transhumanistes, en réalité, sont des gens qui sont penchés sur leurs propres recherches et ils ne réfléchissent pas sur le sens de la vie. D'où venons-nous Où, euh, où, venons Où allons-nous Qu'est-ce qu'il y a après la mort mm -mm. Ils voilà. n'ont pas du tout intégré, peut-être faudrait-il leur rappeler que science sans conscience n'est que ruine naturellement. de ruine de l'âme, oui, oui, à condition qu'on croit à l'âme. Oui. Et que donc, oui, l'âme, oui, vous avez raison, si on ne croit pas à l'âme, <laughs> les carottes sont cuites. Euh... Alors vous faites le, une liste de toutes ces nouvelles technologies, euh, robotiques, bioniques, biologie, génétique, et, et, et d'autres encore, euh, qui sont toutes assez étonnantes. Et dans un premier temps, on a envie de se dire mais c'est fantastique ce qu'on arrive à faire. Je fais, je me fais l'avocat du diable. Euh, on est impressionné, euh, ne serait-ce que par. Euh, cette possibilité qu'ont certains paralysés avec, certains, avec des machines, une succession de machines, de, faire, de pouvoir faire ce qu'ils ne pouvaient plus faire. Formidable, bien sûr, mais c'est ce que dit Hawking. Mais oui. je vais vous dire le fond de l'affaire. Oui. Nous sommes face à une idéologie. Oui. Or, toutes les idéologies, que ce soit la, celle de Guillotin et de Marat... Et, de gens comme ça, mais aussi de Marx, de Lénine, de Paul Pot ou de Hitler, oui. se sont terminés dans un fleuve de sang. Oui, il faut oh. changer l'homme. Voilà, il faut créer faire un, un homme, homme nouveau. nouveau. <laughs> il faut créer. Une, il, faut, il Il, il s'agit de faire un, une sorte de saut so qualitatif. Oui. Et euh, il faut créer un homme nouveau. Donc nous sommes dans une idéologie mm -mm. qui ne tient plus compte de la réalité et le grave vous venez de le souligner. c'est qu'elle se présente comme bienfaisante. Mmh. c'est un loup, un progrès déguisé en agneau. Mmh. évidemment, au nom du progrès, au nom du bien de l'humanité, on va faire ça, ça, ça. et le but, c'est le but purement satanique de détruire l'homme, c'est-à-dire de soustraire l'homme à la réalité que après sa mort, il y a une éternité. c'est cela. Vous voyez, je dis ça en tant que catholique. Mmh. Tout le monde n'est pas obligé de me suivre là-dessus, mais au moins il me suivra sur la destruction de... Euh de l'aventure que ces gens veulent en réalisant, en robotisant l'homme. Mais voyez, vous oui. parlez aussi en médecin. Euh, si si l'homme devient un robot, euh, vous ne pourrez même plus le soigner, puisque ça ne sera plus de vos compétences. Ah oui, mais ça, Donc, euh, euh, ça je ne me fais aucune illusion <laughs> sur là-dessus. Vous comprenez, en le, tant le, que médecin. Le médecin sera remplacé par l'informaticien. Mais naturellement, je vais vous donner un exemple très précis, puisque vous avez eu la gentillesse de parler de la mission Rosa Mystique. Oui. Il se présente qu'il fallait que je prenne un électrocardiogramme, c'était indispensable. Oui. Et là, on m'a dit euh, Ben oui, écoutez, vous prenez un électrocardiogramme, mais il y a mieux. Il y a mieux que le tracé. Il y a un électrocardiogramme qui donne le tracé, bien oui. sûr, mais qui donne le diagnostic et qui donne le traitement. Ma chère Anne, oui. euh, qu'est-ce que vous voyez venir Ça Oui. Ça sera l'avenir des cardiologues. Vous n'aviez plus besoin de ouais. vous déplacer. Voilà. <laughs> Alors, et dans et toute une, le le je veux dire la, le numérique oui. va détruire toute une série de professions oui, en aussi. vitesse et. Les médecins et le corps médical, notamment les infirmières. Par exemple. Il existe déjà, d'ailleurs, des robots médecins qui vous prennent l'attention, qui auscultent le cœur et qui le font avec une fiabilité qui est euh, 100 000 fois euh, supérieure à cause des, al des algorithmes qui font qu'on a, par exemple, 800 000 cas et que qu'on peut analyser, par rapport à 800 000 cas, votre propre cas. Alors, évidemment, le cardiologue alors, est dans les choux, vous Alors, alors est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, dans le cas, par exemple, des infirmières, c'est fantastique. Il euh, y a un robot qui prend euh, toutes les températures, qui, qui euh, c'est très précis et tout, et ce qui fait que ça libère le temps de l'infirmière euh, pour qu'elle puisse rester euh, au, au chevet du malade et non pas, euh, euh, et non pas rentrer dans son bureau et à remplir des papiers. Euh. Très bien vu, c'est ce que je dis dans Les Cahiers Saint-Raphaël. Ouais. dit le seul espoir pour que la médecine puisse subsister c'est de développer la relation qui existe sur le plan humain. or actuellement ce n'est pas le cas. il n'y a, a pas assez de médecins. Euh, les radiologues on les voit même plus. La, vous avez une, le numerus clausus n'est à peine remis en cause. Ah ben non, mais ça, c'est Juppé, ça. <laughs> Juppé qui a euh, diminué la, le numerus clausus à 3500 alors qu'on était 8000. Dix ans après, on a, continu, on a, on a commencé à en souffrir. Alors, pour ça et que maintenant, je, on fait venir 30% de et, médecins étrangers. Exactement, 30% de médecins étrangers parce que les, les politiques euh, n'ont pas su prévoir quoi que ce soit. Mmh. Mais vis-à-vis -vis de tous ces problèmes de. Euh, les, les politiques, euh, je vais vous dire une phrase de Jean Rostand qui m'a plu beaucoup. En politique, on ne flétrit le mensonge d'hier que pour flatter le mensonge d'aujourd'hui. Absolument. Beau, ça. <laughs> très, très ouais, bon. voilà. Vous me la donnerez. Ah, oui, et, en je plus, vous la <laughs> et en plus, le politique ne va pas beaucoup plus loin que le temps de sa... possible, la fin de son mandat, ce ça qui ça se, se le passe problème. après, il s'en moque. Euh, C'est le problème de la République oui, qui fait que... Finalement, l'élu est toujours dépendant de l'électeur et qu'il faut flatter l'électeur. Je ne vais pas dire certes sur Macron, mais il faut voir le programme que j'ai reçu. Il promet de, tout à tout le monde, la facile. Le, la, lune. Le... la lune à tout la le lune, monde. Oui, oui. Oui. En tout cas, euh, euh, tous ces savants fous pré, euh, prévoient euh, la vie éternelle, la jeunesse éternelle. Oui. Euh, tout cela est très tentant. Oui, mais très naturellement. Tentant. Alors, le, le grand chantre des transhumanismes. C'est un urologue qui s'appelle Alexandre, et on le voit beaucoup à la télévision. Alors, Alexandre commence toujours ses exposés par dire L'enfant qui est né aujourd'hui vivra 1000 ans. Oui. Ça. Et puis, alors, il explique que tous ses progrès en robotique, en bionique, en, 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 en biologie, et surtout en génétique aussi, et puis, alors je crois qu'en tant qu'urologue, il prend sa ici pour une lanterne, hein. je ne vous le cache pas. Hein. Et alors, euh, il dit de toute façon, il n'y a rien à faire. Voilà. Alors, vous êtes voués à être des robots. Euh, Spielberg, quand il est allé dans la Silicon Valley, euh, on lui a dit on va greffer Google dans la tête des gens. Ben, C'est de ça dont il s'agit. Les premiers pas sont d'ailleurs faits par des Suédois, sont pucés. Des Suédois sont pucés. C'est oui, un mais... article qui vient de sortir. Euh, non, les, les bétails étaient déjà pucés. Oui, – euh, bah, Oui, 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 oui. Mais les bah, animaux domestiques et, et maintenant les hommes. Obama voulait le faire pour tous ses citoyens avant la fin de son mandat. Mais attention, il s'agit de puce cérébrales. Alors, les puces c'est utilisé actuellement en neurochirurgie, c'est très important. Il s'agit d'un d'implants qui sont faits avec des microprocesseurs et des électrodes absolument minuscules. Alors, ne vous imaginez pas que ça soit un truc sanglant non, non. Euh, qui coule de tous non, les non, côtés. Discret, oui. Ça se fait par le, les fosses nasales oui. euh, et, ou le fond de la gorge, et on peut même le faire sous hypnose. Vous voyez, donc, ce n'est pas, pas du, du sanguinolent. On peut poser, on, bien sûr, on repère l'endroit où on veut déposer l'implant par l'IRM dite fonctionnelle et on pose exactement l'implant. Mais il ne faut pas oublier que tout système informatique peut être pris en charge par un autre système informatique. Il faut vous dire que votre voiture, maintenant, qui a un petit ordinateur pour régler un certain nombre de choses, peut être pris en charge par quelqu'un d'autre. Ça, les gens ne, ne le savent pas, ils ne s'en rendent pas compte. Parce que si on a réussi... À hacker, comme on dit, à pirater la NASA et le Pentagone, euh, une voiture à, à pirater, c'est pas difficile. Vous avez un autre mot, euh, Jean-Pierre ce que j'ai beaucoup aimé, c'est « vous rapinez ». Il rapine vos, do vos données individuelles. Tout à fait. <laughs> c'est beaucoup mieux que hacker et tout ça. Ouais, non, oui, rapiner. oui. Rapiner. Parce qu'en réalité, euh, dans la fin de, de, de votre livre, vous soulignez bien euh, avec cette entreprise de, de Google et de comment il s'appelle Larry Page, euh, que en fait c'est une question de pouvoir économique et de, et de soif d'or. Euh, si euh, on, tous ces gens-là et notamment les, ces informaticiens prennent vos données personnelles, c'est la porte ouverte à une utilisation de ces données et à des utilisations commerciales, bien évidemment. Alors il faut comprendre que tout ce que nous faisons. Oui. Quand on passe à une autoroute, quand on prend un ticket, quand on envoie, euh, quand on raconte sa vie sur Facebook ou, ou, ou Twitter, tout ça est engrangé par ce qu'on appelle le big data. C'est ce que j'appelle moi les données massives. Alors, c'est évidemment quelque chose de gigantesque, mais qui a un pouvoir absolument colossal. Et toujours pareil, cette idée de bienfait que je retiens, c'est ce, ce cas absolument fantastique d'une femme atteinte d'une leucémie et cette leucémie, on ne pouvait pas la, la guérir parce qu'on ne savait pas comment la guérir. Et la personne qui s'est occupée de, ces, de euh, enfin le médecin qui s'est occupé de cette personne a compulsé le big data. Il a rassemblé tous les articles qu'il y avait là-dessus et à partir de cela. Eh bien, il a dit, voilà, le traitement, il est là sous mes yeux. Or, on a calculé que le travail qu'il avait fait, il aurait fallu à un, un homme 38 ans de sa vie pour le faire. Et elle a été il serait guéri. mort. Elle a été guérie par ce système-là. Oui. Alors, vous voyez, c'est l'ambiguïté de la chose. C'est que le big data est, est un monstre, oui. mais qu'en même temps, de nos jours, il peut être bienfaisant. Absolument. Oui. Alors, c'est mmh. toujours le problème de la politique qui se, va se poser. Que mmh. vont faire les politiques mmh. C'est ça. Mmh. Alors, euh, cher Jean-Pierre Dickès, mmh. nous allons interrompre là notre émission télévisée. Ceux qui en veulent plus nous retrouvent sur Radio Liberté. Et merci infiniment de nous avoir présenté ces trois livres L'homme artificiel, Essai sur le moralement correct aux éditions de Paris L'ultime transgression. Refaçonner l'homme aux éditions de Chiré et le tout neuf, la fin de l'espèce humaine aux éditions de Chiré. Chers amis de TV Liberté, à très vite pour une autre émission de Perle Culture. Au revoir et merci. Bonjour. Nous avons invité pour cette rubrique Art Monsieur Stéphane Duberg. Bonjour Monsieur. Bonjour Anne. Euh, vous êtes expert en objet d'art et vous allez nous emmener dans ce monde euh, merveilleux de l'objet d'art et vous allez être notre guide. Alors d'abord, euh, je crois que vous avez été euh, commissaire priseur pendant toute une partie de votre vie. Et comment se destine-t-on à ce métier? Quel a été votre euh, il faut chemin avoir, euh, Il faut avoir, je pense, euh, être, né, être né dans les, dans les vieux meubles oui. ou être né dans un endroit assez classique, d'une part. Et d'autre part, quand même, pour moi, le, avoir le goût du service. Parce que finalement, euh, ce n'est pas tellement les objets qui sont intéressants et qui sont inépuisables ce sont plutôt les clients. On intervient toujours euh, dans un cas. Dans un cas limite, c'est-à-dire que ça peut être un déménagement, ça peut être malheureusement un divorce, oui. ou c'est une succession. Ou un deuil, oui. Et alors à ce moment-là, on s'aperçoit que non seulement les objets ont une âme, mais ce sont souvent aussi des pierres d'achoppement. C'est-à-dire que ça apporte des souvenirs de conflits ou des souvenirs de... affectifs. Et alors le, le goût que l'on a pour un objet à parfois complètement échappé à des frères et sœurs ou à des le la succession et l'inventaire sont un grand révélateur. Oui, j'imagine. Neuf fois sur dix, ça se passe bien. Oui. Alors on parle, c'est comme beaucoup, c'est comme les trains qui arrivent toujours en retard. On parle des successions <laughs> qui ne marchent pas, mais euh, c'est quand même quelquefois une surprise et souvent une mise au point euh, entre les diverses parties. Euh, il, faut, il faut surtout que, que les parents aient la sagesse d'organiser le, leur, euh, leur départ. Il faut surtout que, que tout ça soit bien dit avant pour qu'il n'y ait pas d'écharpement au moment. Alors ça n'est pas évident. Si on est trop dirigiste, on risque d'attribuer des oui. objets que l'on croit aimer, mais ce n'est pas le cas. Sans, sans être dirigiste. Oui, mais il y en raison. a, il y a des parents qui sont beaucoup, beaucoup plus prévoyants qu'on ne croit, euh, qui font carrément faire le partage avant. Avant. Ça, oui, oui. Et j'ai dans mes, dans mes dossiers quelques partages qui sont tout faits. Il n'y a plus que le tirage au sort à faire. Alors, ça, c'est dans les cas heureux, parce que oui. les cas malheureux, c'est des, des héritiers qui ne veulent absolument pas des vieilleries de leurs parents. Alors, <laughs> ça existe, ça existe. Pour nous, c'est le bonheur, parce que tout est avant. Tout est. <laughs> Mais euh, le... les choix sont faits. Euh, sur le plan affectif et aussi sur le plan financier. Et on s'aperçoit finalement que le, le bipède est souvent menteur. Celui qui avance des, des arguments affectifs en fait, parce pense, pense oui. au nombre de zéros qu'il y a derrière. Oui, oui. Mais euh, l'inventaire est une... Est une une pierre de touche qu'il ne faut, qu faut pas négliger, et je dois avouer que c'est quand même la partie la plus intéressante de mon métier, avec également le fait que chaque fois que j'estime un objet, je suis un parieur, et quand j'arrive à, à un, un objet sur cinq que je vois, il passe en vente publique, quand je vois que ça fait plus, je suis, je suis très bien. J'ai ménagé une marge de manœuvre Quand ça fait moins, je suis, je suis très gêné. Alors quand ça fuse à trois fois le prix, je me dis qu'il faut retourner à mes études. Est... <laughs> Alors, est-ce qu'il euh, est qu y a une évolution des, des prix euh, Est-ce que, selon la, 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 la maudite loi de l'offre et la demande, est-ce que, est que ce marché évolue et comment est-ce que vous, vous établissez ces prix eh bien, le... Il y a plusieurs questions dans ma question. Euh... Euh, vous choisissez celle à laquelle vous voulez répondre. Ben, L'évolution va dans le sens de... Il y a une évolution mécanique d'abord. Une évolution mécanique qui est que dans un appartement actuel, qui a deux fois moins de mètres carrés que la génération précédente, oui. il y a deux fois plus de fenêtres oui. et deux fois plus de placards. Donc tout ce qui était apposé et pas de cheminée, Donc tout ce qui était imposé sur la cheminée oui. ça, oui, oui. a tendance à pas disparaître. On devient sélectif parce oui, qu'il oui. y en a peu. Les armoires, les armoires, c'est le drame. Oui. On n'arrive pas à les vendre. Oui. Alors il y a quelques années, les gens les achetaient pour utiliser les portes pour oui. faire des placards. Oui. Et maintenant, il arrive même qu'on envoie des armoires à la casse. Oui, ça, c'est triste. Ça, c'est triste. À côté de ça, il y a le, les petits objets qui font, qui touchent. La personne. Et alors là, je peux rien vous apprendre parce que vous avez lu comme moi euh, le bric à brac ou l'objet aimé de, du la Alvarand. Oui. Et là, il raconte. C'est une succession de petites nouvelles qui racontent des, des situations que, pour une fois sur trois, que j'ai vécues. Hein. C'est un observateur fabuleux. Alors, racontez-nous, racontez-nous racontez une de ces. j'en bon, bon, vois oui, deux, mais de c'est ces oui. une classique. C'est oui. le meuble qui va partir en vente. Oui. Et on on l'estime. Et le client euh, vide les tiroirs et à ce moment-là, on lui montre quand même qu'il y a un tiroir secret. Oui. Alors, il regarde le tiroir. Et alors là, euh, il y a quelquefois des surprises. <laughs> je me souviens d'un cas où le, le, c'était l'inventaire. Ça n'était pas la vente, c'était l'inventaire. Euh, le notaire avait convoqué trois héritiers mm -hmm. et puis, euh, en faisant l'inventaire, je, je l'appelle et je lui dis "Il bah, y, y a des papiers dans ce, dans ce et meuble." Et en fait, il y en avait un quatrième. Et alors non, et <laughs> les papiers, c'est l'affaire du notaire. Oui. Alors, je lui ai dit, ben voilà, il, y a, il y a ça dans le tiroir. Et puis, vous savez, il y a un tiroir à ressort. Un... Alors, j'ai le temps notaire. Alors, le notaire change un peu de couleur et dit Écoutez, euh, monsieur et madame, euh, je vous avais convoqué, mais finalement, c'est mademoiselle qui, qui est seule concernée, donc euh, vous n'avez plus rien à faire ici. Alors, les, les, les futurs héritiers ouais. déshérités par le testament qu'on a trouvé dans le meuble ouais. sont. C'était ça. C'était oui. mari. Mais. Euh, est-ce que le, le prix d'un objet change en fonction de, de j'ai envie de dire de son, de la demande Bien sûr, bien sûr. Bien. Quand j'étais stagiaire, les tableaux de dîner qui étaient des des portraits ou des personnages peints en Afrique du Nord oui. euh, par un Européen. Oui. Euh, était vendu dans des, dans des salles très courantes, c'est-à-dire un jour d'exposition et, euh, et puis un jour de vente. Maintenant, on les catalogue en première page. Parce que la clientèle euh, musulmane, euh, comme dîner entre-temps, s'est convertie à l'islam, la clientèle musulmane, Ose acheter du figuratif. Ah, oui. Et ce croisement des deux événements oui. fait que maintenant, il faut rajouter un, deux, trois, quatre, cinq zéros à une toile de dîner. Ah, oui. Alors, thé. toute la peinture orientaliste va leur Ah, ben bah, il y a des ventes spécialisées, il oui. y a oui. des maintenant oui. et qui marchent fort bien. Mais, oui. mais dans, pour, non, peut-être pas pour un public musulman, parce que y a, dans les peintures ah, bah, orientalistes, si, il y a quelques femmes nues. Oui, euh, bah, si, si, ça peut, ça peut être un plus, euh, tout à fait <laughs> entre parenthèses. Bon. Ça peut être un plus, oui. oui. Mais ça. Il y a des cotes importantes pour ces et alors euh, le bon l'armoire donc euh, exit euh, le bibelot, le vase le, le, le la garniture de cheminée en effet le, le, les horloges magnifiques avec euh, alors les horloges horloge et, et, et les deux chandeliers oui l'horloge c'est à dire que le, le régulateur le grand la grande pendule qui fait tic tac tic tac Dis, complètement... je vous attends oui, je vous attends. Complètement démonétisé. Alors, donc, quand il y a des cambriolages, le mécanisme est volé, oui. mais euh, elle atteint des prix maintenant qui sont le, le cinquième de ce que ça faisait il y a dix ans. Alors, en revanche, les petites pendules, les armes, les armes anciennes, oui. et les tapisseries sont des choses qui sont les premiers objectifs des voleurs. Ah, oui. Les armes, parce que ce sont des objets sériels, oui. Autrement dit, le, le reseller ne pourra jamais être convaincu que c'est celle de Paul ou celle de Pierre. Oui. Les pendules, c'était déjà un peu mécanisé, enfin un peu un peu groupé à la fabrication au XVIIIe, si bien qu'avec trois, trois pendules, on peut en faire deux autres complètement différentes. Donc la question est réglée, on ne peut pas, on ne peut pas avoir de recoupement. Et la, la tapisserie, c'est un problème mécanique, c'est que vous faites passer une, une tapisserie à travers des barreaux, vous l'achetez par la fenêtre, enfin vous... Oui, c'est facile, facile à voler. Et alors, la tapisserie reste un objet euh, euh, désiré euh, dans ce XXIe siècle, c'est ça Oui, que... oui, oui. Alors juste après la guerre, c'était invendable. Oui. Et puis petit à petit, ça a rattrapé euh, une cote euh, plus importante, oui. À ce moment-là, ce sont les décorateurs qui, qui mettent ça en épingle. Et euh, il y a pas mal de, de tapisseries à condition de pas un trop grand format. Parce oui. que là aussi, vous avez les hauteurs de plafond Bien qui, sûr, qui, ont complètement qui changé. nous tendent un piège. Oui, oui, c est, c est on a beau changé. les plier, parce qu'il y a des moyens pour garder la bordure en pliant un peu le sujet, mais euh, c'est aussi des choses qui ont été touchées. Et le tapis, le tapis puisqu'on parle de... Le tissu, oui. le tapis euh, que j'ai connu avant les affaires, avant les histoires d'Iran, oui. avant l'Afghanistan, oui. qui a fait arriver des, des wagons entiers de tapis, euh, la, le tapis a beaucoup, beaucoup, beaucoup baissé. Oui. Il reste oui. une ou deux ventes spécialisées d'un bon niveau. Euh, par trimestre, mais c'est tout, est... on est tombé. De... Parce qu'il y, y en a eu trop, ou qu'est-ce qui s'est passé eh bien, Où les gens plus, ils ne veulent plus de tapis. De toute façon, la moquette et le tapis. Après, les après la guerre, le... après la guerre, a perdu le. Exactement. Après la guerre, il y avait le goût de la moquette partout. Oui. Alors maintenant, on rejette maintenant, le textile. C'est pas, du... pas écolo du tout. Exactement. Il faut, il faut du parquet. Euh... Alors dans un appartement, il peut y avoir un tapis, mais plus, on tombe dans le danger de la collection. C'est très dangereux. Ouais. C'est très dangereux. Et, euh, et des meubles. Et, et, et ces petits fauteuils Louis XVI qui sont très faciles à, à mettre puisqu'ils sont et petits, euh, puisque tout, tout rétrécit. Euh, on ne voit pas pourquoi ils s'encombrent avec des grands canapés euh, très lourds et qui, qui, qui mangent la pièce. Le canapé marche quand même avec la télévision. Le ben, canapé, c'est ça. Ouais. C'est pour bah, ça que, que d'ailleurs, on devient des patates de canapé. C'était l'expression. Euh, je ne sais pas, je <laughs> pas osé. C'est une expression américaine, quand <laughs> vous regardez trop osé. la télé en dehors de TV Liberté. Euh... Et puis, il y a une question de format aussi. Je ne sais pas si c'est le cas dans votre famille, mais moi, j'ai des, des neveux ou des enfants qui sont de plus en plus grands. Et quand on s'assied oui. dans un petit fauteuil Louis XVI, on a critiqué le propriétaire. Oui, la population a eh oui, oui. Ah c'est oui, très, très, très net. Oui. Ah ouais. oui, vous avez tout à fait raison. Et, euh, et les tables, est-ce que les tables restent. Euh, les tables anciennes, est-ce qu'elles restent cotées Est-ce qu'elles restent bah, les tables anciennes n'existent pas. Non, enfin, la table oui. de salle à manger dire, est les... une oui, invention est... anglaise. Oui. c'est arrivé au XIXe. On, on, on dresse. Ce que j'aime beaucoup dans votre propos, c'est que donc, ce qui est du 19e n'est pas ancien. Ah, je sais pas. Ce n'est pas vrai pour la, vrai <laughs> pour la peinture. Hein. La peinture ancienne, la peinture du XIXe, pour moi est très, très, très intéressante. Bien sûr. Alors les tables, effectivement. Une table renaissance ça aurait une certaine valeur, mais il y en a très peu d'une oui, part. Oui, et d'autre part, ce sont des formats qui ne sont pas très pratiques. C'est-à-dire que les, <laughs> la ceinture du meuble empêche de mettre le genou dessous. Oui, enfin, oui. Et, on, et on pratiquait des, des hauteurs de... De sièges et de tables différentes maintenant. Ouais. Par exemple, actuellement, vous avez des, des hauteurs de 74-75 cm, la table. Ouais. Donc les sièges sont à l'avenant, 45 cm. Ouais, ouais. Dans le midi, c'était plus bas. Ouais. Dans le midi, c'est plutôt 72-73. Ouais. Et votre euh, spécialisation Est-ce que vous aviez une spécialité de... non, 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 moi j'étais géraliste dans la mesure où, où j'étais euh, un, un peu comme un médecin généraliste, si vous voulez. Ouais. J'arrivais dans un appartement. Et je le fais encore, d'ailleurs je le fais encore. Je vois tout ce qui est de ma compétence. il y a huit objets sur 10. Je vois l'objet pour lequel j'ai sûrement la réponse, mais il faut que je recherche un précédent ou autre. Puis je vois l'objet qui va me poser un problème, mais pour lequel je connais le spécialiste que j'interrogerai en montrant la photo au besoin que je montrerai l'objet. C'est -ce ça qu'on qu apprend tous les jours. Moi, oui, chaque, suis... Ce sont chaque... des métiers dans lesquels on apprend tous les jours. Mais est-ce qu'il n'y a pas euh, un défaut de, de euh, pas de publicité, mais de, 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 de faire connaître euh, euh, tous ces objets qui, qui ont une âme et qui, sont, euh, qui donnent tant de bonheur parce qu'ils sont beaux euh, aux jeunes générations euh... ben, Les invités Inviter, inviter chez vous oui. les amis de vos enfants. <laughs> oui, non, ça c'est sûr. Mais euh, c'est une petite goutte d'eau. Je suis frappée de voir que euh, tous les intérieurs aujourd'hui se euh, vident, sont glacés euh, avec des, des bibliothèques bien raides et euh, euh, une sculpture africaine. Oui. Euh, oui c'est un must, aller, le, la culture aller. africaine. Euh, le... Le lampadaire euh, aérodynamique et le plus moderne qui soit. Ouais. Euh, la table... Euh, bon, c'est vrai qu'il n'y a plus de table de salle à manger puisqu'il n'y a plus de salle à manger. Donc, euh, on a une table euh, qui se rétrécit... a une table à l'italienne. Euh, ou bien, oui, 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 les tables, c'est... Qu'est-ce que pourrait faire... Euh, Est-ce que la profession de commissaire priseur... Euh, euh, à, à des, des actions de formation dans la jeunesse De formation pour former des futurs confrères. Oui, mais mais, former vos clients J'ai peur que le métier clients, disparaisse faute de clients. Rassurez-vous, il y a 5000 personnes euh, euh, chaque jour d'exposition à Drouet. 5000 personnes. 5 000 personnes. Ah oui, Alors ils ne sont pas tous jeunes, hein, ouais. mais euh, il mais y, y, y a quand même du monde. Et quand mes personnes. enfants étaient était dans une classe, dans une école où on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Il m'est arrivé d'emmener une classe de Saint-Cloud à, à une de mes expositions et de leur réserver une petite partie et leur donner des estimations et réserver une petite partie de la salle pour qu'elles assistent à la vente. Ça, comme ouais. ça, elles pouvaient apprécier la différence entre l'estimation et le résultat. C'est ça qui compte. Ça, c'était important. Oui, mais il y a aussi la, la, visite, la visite de Drouot, c'est une caverne d'Alibaba. Quand vous marchez dans les salles, euh, vous allez de découverte en découverte avec des trucs, des meubles absolument, euh, soit énormes, soit, soit d'une grande originalité, soit... Euh, oui, ce qui euh, est intéressant, c'est qu'elle contraste entre ah, le, le, moyen, y a de et, tout. le moyen et le beau. Il oui. euh, y a sûrement des, des organisations, mais euh, des conférenciers qui font, qui font la visite. Mais euh, ce n'est pas systématisé. Non. Je trouve qu'il y a, a une... C'est dommage qu'on n'emmène pas en procession les enfants comme on les emmène au musée. On devrait les emmener euh, dans ces... Ah ça pourrait être une sortie de classe, oui. C'est ouais. une sortie de classe ouais. qui me paraît. Euh... Mais, oui, mais il y a de la foule. Il hein. y a de la foule. Alors euh, il faut vraiment être euh, en, en communion avec l'étude qui organise la vente pour... Euh, se oui, faire visiter sûr. avant, le, avant le public le, le, ou après le public. Oui, il y a, Et puis il y a de également de problème. un problème de sécurité. Et puis... Euh c'est la presse, c'est-à-dire que oui. jadis on vendait 250 objets dans l'après-midi, oui. il y a 10 ans on vendait 300, maintenant c'est facilement 400 dans l'après-midi. Donc ça va très très vite. Donc l'exposition est un émencellement très 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 serré d'objets. Alors ce serait possible de faire visiter Oui, on peut faire visiter. Mais, mais même en dehors de par petits groupes. En dehors de on peut passer de salle en salle et. Euh, c'est ça l'exposition, c'est passer de salle en salle, oui. mais. Il y a du monde, il y a de la bousculade. Ça pourrait être faisable pour, une, pour un petit groupe de neuf personnes, groupes, oui, personnes pas oui. plus. Hein, oui. Mais c'est souhaitable, effectivement, ça pourrait être... Je, j ai, j ai... -dire que J'aimerais que les nouvelles générations soient euh, euh, ainsi euh, mises en contact avec euh, des objets, pas uniquement les objets qui sont dans les musées, parce qu'il y a un petit côté inaccessible, oui. 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 puisqu'il oui. est dans les musées, et il ne peut pas être à la maison. Mais euh, dans, dans ces lieux de vente, pour leur faire comprendre que, qu'il eh y a autre chose à acheter que, que la dernière paire de baskets. Et, euh, mais vous pouvez aussi les emmener au musée Lambinet. Le musée Lambinet. Lambinet, il y a un sûr. appartement. L'appartement 18e. Il y a des objets un peu, un peu chers, mais il y a aussi des objets du quotidien. Et, ça peut... et alors, le meilleur musée pour, pour ça, c'est le musée des arts décoratifs. Oui. Est-ce que vous avez des ensembles, à côté du Louvre. des ensembles de la même époque dans chaque salle, oui, c'est-à-dire oui. vous oui. avez un ensemble 1930, oui. un ensemble 1940, oui, oui. un ensemble Louis XV, Louis XVI, et puis dans le XIXe, alors vous avez le, le Charles X, le Louis Philippe, le Napoléon III, oui, les trucs, oui. c'est oui, oui. c'est vraiment très, oui, oui. Très, très 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 didactique. Oui, ça une... Parce qu'on oui. voit la correspondance entre le bibelot et le meuble, oui. ce qui n'est pas évident quand on vient de l'extérieur, parce que les décors, les bronzes sont contemporains de certains meubles, l'argenterie contemporaine d'un autre meuble. Quand on voit ça dans un musée, c'est très souvent un peu mélangé. ce que les arts décoratifs, c'est par, par tranche horaire. Oui, oui. Ce par tranche de oui. oui. voit Puis on voit combien une époque se caractérise par certaines choses et, et, et quelle est l'âme d'une époque. Mmh. Donc c'est extrêmement... Euh, oui, chaque époque important. privilégie certaines choses. Par exemple, le 18e a privilégié le meuble, il n'y a pas de discussion. Hein, oui. C'était vrai. Alors que la peinture, du 18e est un peu faible. Le 19e a favorisé la peinture, c'est une chose extraordinaire. Oui, oui. Alors que le mobilier, il y a un style sur deux qui n'est pas, pas évident. Hein. Et puis ces appartements euh, euh, fin, fin 19e, absolument surchargés, euh, croulant sous les rideaux, euh, avec des, des petits tableaux... Euh, euh, qui, qui descendent le long des murs, euh, vraiment des appartements très, très surchargés, des meubles en bois doré, des copies. Euh... C'est l'idéal pour mettre des plantes vertes. Parce que la, <laughs> vertes. Absorbe plus, plus les tentures absorbent l'humidité et ça vertes. circule. Et cet ensemble permet de conserver les meubles dans, la, dans la, les meilleures conditions. Ah, Faut ce qu'on appelle trop... l'hydrométrie. Voilà, exactement. <laughs> Merci beaucoup Stéphane Duberg de nous avoir emmenés dans ce monde enchanté de, des experts en objets d'art. Euh, et n'hésitez pas à, nous, à revenir nous présenter s'il y a une, une vente particulièrement belle. Euh, nous serions très heureux euh, d'y inviter les amis de TV Liberté. Ah oui, volontiers, oui. Merci Stéphane Duberg. C'est moi qui vous remercie. Amis de TV Liberté, à bientôt pour une autre séquence de Perles de Culture. Mmh. Amis de TV Liberté, rebonjour. Pour cette rubrique euh, patrimoine, nous avons gardé dans nos studios Jacques Roland. Rebonjour, monsieur. Rebonjour. Bon, euh, et nous allons partir avec vous dans l'Égypte ancienne, ce qui est un grand bonheur, euh, parce que vous nous allez nous parler de euh, vos travaux et notamment de la création d'un nouveau euh, son et lumière euh, au Caire. Euh, qui va remplacer le, 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 le très beau son et lumière ancien qui en effet durait depuis combien de temps Depuis au moins mille, 1970, oui, une quarantaine d'années, 50 40 ans. Voilà. Alors avec la différence, c'est que avec les moyens techniques actuels et qu'approuve le gouvernement égyptien, on arrive à, à faire des reconstitutions en 3D qui sont projetées sur les façades de, des pyramides, notamment Khéops. Actuellement. Le son et lumière est focalisé sur le sphinx et la pyramide de Képhren, alors que nous, nous allons faire tout, pratiquement tout l'ensemble du show, d'une heure cinq, une heure 10 sur la grande pyramide de Kéops, qui elle est absolument fantastique, car nous faisons sortir de la pyramide les trois chambres secrètes chambre du roi, chambre de la reine et chambre souterraine, et la grande galerie. On les fait sortir parce qu'elles constitueront pour le spectateur 2000 mètres cubes d'espace vide. Mmh. Donc, c'est l'unique pyramide au monde qui a 2000 mètres cubes de vide à l'intérieur, mmh. sur lequel s'appuient les centaines de tonnes de granit. Mmh. Est-ce que euh, les enfants d'aujourd'hui euh, continuent à apprendre par cœur euh, Khéops, Képhraîne et Mykérinos Je ne crois pas. <laughs> Je ne crois pas. Non. Je ne crois pas. Et, euh, euh, par contre, je dirais que les Occidentaux, euh, euh, anglais, allemands, italiens et français, sont, sont très attachés à, à l'Égypte. Je suis incapable de l'expliquer, mais il faut dire que le Musée du Louvre a une, un département égyptien oui. absolument de toute beauté, et qu'on est quand même un des rares pays d'Occident qui avons un institut du monde arabe. Euh, qui est Claude Bernard, qui fait euh, oui. régulièrement des, des expositions remarquables sur l'Égypte, oui, et oui. qui attire énormément de, de personnes, ce qui fait que les enfants à l'école ont. Kéops, Képhraîne, Mikrinos, ils l'apprennent peut-être, mais le, dès qu'ils sont adultes, ils commencent à oui. s'y bon. intéresser. Oui. Alors comment avez-vous euh, avez commencé ce voyage vers l'Égypte ancienne eh bien, d'abord, euh, je, je me suis occupé en tant qu'historien beaucoup du Moyen-Âge oriental, mmh. c'est-à-dire l'influence des croisés et des Templiers surtout euh, dans les pays d'Orient. Et puis, euh, comme il y a eu des, des batailles et des guerres illustres entre euh, les Templiers, les Croisés et les Égyptiens, tout naturellement, je suis allé au Caire et à Alexandrie pour voir un peu ce qui s'y passait et tout naturellement. Ça m'a amené à voir le show actuel des pyramides et surtout à m'intéresser aux énigmes que cette grande pyramide ou les deux autres aussi pouvaient réceller. Mais on a l'impression que cette Égypte est une, est une Kyrielle hein, d'énigmes. De, de, euh, J'ai vu récemment euh, tout un documentaire sur euh, l'une des dernières pyramides construites par l'un des derniers pharaons. Et euh, quatre ou cinq petites pyramides euh, aux alentours, c'était euh, celle de, 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 de femmes. Oui. Et euh, euh, la théorie du, euh, du documentaire était la suivante. Euh, Jusqu'à présent, il n'y avait de pyramide que pour euh, les, le roi, pour, pour le pharaon, mais jamais les femmes n'avaient accès à euh, cet honneur. Alors il y, y a des explications importantes, et je suis très heureux très que vous en ayez soulevé le problème, c'est que, premièrement, en Égypte ancienne, le pouvoir se, se faisait par descendance des femmes. Oui. C'est-à-dire ce sont les femmes qui... Oui. Adoubé, s'il voulait en quelque sorte un roi, oui. par exemple Eteperes, euh, a adoubé Kéops, oui. c'est elle qui lui a donné les 32 noms divins des dieux, et il tenait son pouvoir de sa femme. Et alors, la deuxième raison également, c'est que en Libye, en Libye berbère, euh, qu'on peut penser être un peu à l'origine de la civilisation égyptienne, nous avons des femmes. Qui ont été euh, répertoriés sur les fresques, qui, sont, euh, qui portent des diadèmes de commandement ou de prophétesse. Et troisièmement, pour reprendre l'image que vous venez de donner d'une petite euh, euh, pyramide, c'est un mastaba, oui, la celle oui. d'Éteperess II. C'est la fille de Khéops. C'est une femme qui est blonde. Sur la fresque, elle est blonde. Elle ne porte pas une perruque noire, elle oui. porte une, une, une chevelure blonde-roue. Oui. Elle a le visage très pâle. On la fait ressortir sur la fresque, on la voit très bien. Elle est au pied des pyramides, là. Et donc, euh, on peut dire que le pouvoir royal, y, dans les anciens temps, il y a 5 ou 6 000 ans, se faisait par les femmes. Donc, on peut expliquer très bien votre remarque. Alors, vous avez travaillé sur le symbolisme maçonnique de l'ancienne Égypte. Euh, en fait, c'est. C'est là l'une des sources de, de, de la franc-maçonnerie Écoutez, oui et non. Non, parce que la maçonnerie est beaucoup plus tardive, elle date du XVIIe siècle, euh, mais que les, la tradition, quelle que soit la tradition védique, grecque, chaldéenne, euh, juive ou, ou égyptienne, reprend toujours les mêmes symboles. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Euh, l'œil d'Horus, qui est l'œil du troisième œil, l'œil invisible, celui qui est reconstitué, euh, tous les phénomènes de, de, euh, des rites initiatiques euh, d'embaumement, d'enterrement mm. sont pratiquement les mêmes aujourd'hui dans, so dans les sociétés à mystère maçonnique. Mm. Donc on dirait qu'on a un peu copié. En, ah en oui. fait, si vous voulez, sur des, des rites initiatiques qui existaient il y a 5000 ans. Ah Alors, il y en a beaucoup qui sont très très fréquents et il y a des obédiences qui s'appellent euh, d'origine égyptienne et qui reprennent pratiquement plus, plus, plus euh, euh, que les autres euh, ces, ces grandes références historiques. Alors, comment expliquez-vous euh, cette fascination de, de notre Europe pour ces, ces, ces hiéroglyphes magnifiques, pour ces, euh, ces salles de, de pyramides de, ou ces salles de, de, des tombes euh, des grands pharaons, notamment dans la vallée des rois à Thèbes, qui, qui sont d'extraordinaires de, merveilles, qui, dont les couleurs sont restées intactes et, et qui, qui, nous, qui nous impressionnent. Comment expliquez-vous euh, ce, cette fascination de, de cette vieille Europe, alors qu'ils euh, sont beaucoup moins beaucoup moins intéressés, par exemple, par euh, la symbolique de, de la statuaire médiévale euh, C'est exact. Alors, je crois que <laughs> le, cette contradiction est très curieuse entre le matérialisme actuel contemporain voilà. oui. et surtout la vision de l'au-delà que l'Égyptien avait. Il concevait la vie comme vie terrestre, comme un passage, mmh. comme un leurre, comme un, comme une, un tissu. Euh, mais par contre, la seule vie qui les intéressait, c'était l'au-delà. Oui. Et euh, cette, 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 cette fascination qu'ont eue les Égyptiens il y a 5 ou six mille ans pour l'au-delà est pour nous complètement irrationnelle parce que il y a des cartes <laughs> géographiques de l'au-delà, et non pas de l'Égypte, qui nous sont transmises par le livre des morts et les textes des pyramides, il y a des cartes géographiques de l'au-delà. On situe Héliopolis, Thèbes, etc., euh, sur une carte, parfaitement bien, alors qu'en fait, ce sont des noms terrestres. – enfin, Ce qui est d'extraordinaire, c'est que dans, le, dans la religion catholique, la vie sur Terre est aussi un passage, et qu'il y a beaucoup de similitudes. Hein. – Ah ben, il y a beaucoup de similitudes. – Mais euh, on a l'impression que que cet héritage-là est complètement méprisé au bénéfice de, de cette religion égyptienne qui impressionne les populations alors qu'en fait ils ont la même chose chez eux mais qu'ils l'ignorent. Ils l'ignorent il complètement alors qu'en fait actuellement comme j'ai pu le dire il est très dommage que nous n'ayons pas les 20 millions de touristes qui avaient il y a 10-15 ans oui. Et ceux qui participent qui vont assister au spectacle qui existe à toujours. Qui a été créé il y a 30, 40 ou 50 ans, ce sont des Égyptiens. Oui. Ce sont alors il y a parce quelques que touristes, bien. il y a quelques touristes japonais ou chinois et français, mais la majorité, ce sont des Égyptiens. Mais les, les, les attentats n'ont pas porté un coup sévère ou... Alors pas plus qu'en France, parce que finalement euh, la population égyptienne. Il ben, faut rappeler que c'est un pays de 110 millions d'habitants. Mmh. Le Caire a à peu près 25 millions d'habitants. Les, les attentats qui a lieu comme euh, en, en Occident, euh, le lendemain ils sont oubliés, même s'il y a des morts. Oh, quand même l'avion, euh, qui est tombé. Euh... Oui, mais comme chez nous des, 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 des tas d'attentats de, ont lieu régulièrement. Euh, qui se souvient encore du pont de Londres où il y a eu quelque temps oh, J'ai les... visité Thèbes, il y avait, nous, nous allions euh, en procession derrière des chars de l'armée égyptienne. Oui, bien hein. sûr, bien mmh. sûr, mais vous avez raison. Mais euh, euh, actuellement, enfin, il y a eu Déjà un bouleversant politique important en Égypte. Il y a eu Boubarak, euh, mm. ça s'est mal fini, il y a eu les frères musulmans. Avec Morsi, maintenant on a depuis deux ans euh, le maréchal Sissi, oui. qui est un grand homme d'État, qui oui. est très apprécié à l'étranger, pour lequel je fais d'ailleurs un livre sur sa une biographie de lui. Oui. Alors je le ferai différemment de la princesse Lamballe, parce que <laughs> je, je, je ferai une biographie pure et simple pour ne pas faire d'erreur, parce que je ne peux je pas ferai... trop inventer. Ah, je ne pourrais pas inventer. Si votre héros est vivant, le est... héros est vivant. serait peut-être non, non, mais okay. le maréchal Sissi est une figure internationale. Et euh, surtout, par exemple, je vais vous donner un exemple pour cette histoire de, 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 man, de Shaw l'an prochain. Comme je l'ai écrit au ministre des Antiquités égyptiennes, ce, ce script que l'on a soumis a un sujet et un objet. Le sujet, c'est effectivement la reconstitution de l'Égypte du quatrième millénaire. Du, du, de, et surtout, ce, l'objet, c'est de diffuser une nouvelle euh, image de l'Égypte dans le monde. Et dans lequel nous disons en conclusion que... C'est à l'Égypte actuelle que nous devons les pyramides, pas l'inverse. – Ah oui Comment, comment faites-vous pour… – Eh bien, c'est une contradiction apparente oui. parce que euh, tout a été détruit en fait par les, les Romains, les Grecs, oui. les Arabes aussi. Oui. Personne n'a osé toucher aux pyramides. Oui. Oui. Et euh, c'est l'illustration parfaite que tous les gouvernements égyptiens, depuis Nasser jusqu'à Sisi… Ont tenté de préserver ces trois pyramides parce que elles sont l'image d'une grande de la grande nation qu était qui était l'Égypte il y a cinq millénaires d'accord très très bien alors ce qui est étonnant c'est que euh, comme partout dans le Moyen-Orient, comme, comme sur la côte nord de l'Afrique, en Afrique du Nord, il y a encore infiniment de, de choses à découvrir. Oh ben C'est évident. Alors en Libye, il y a des, toutes, les, toutes les, les provinces, la province romaine de Leptis Magna, mmh. mais euh, l'Égypte, moi je suis persuadé que... Euh, je ne suis pas le seul, mais tous les archéologues ou égyptologues le sont, qu'on découvrira certainement dans l'avenir, avec les moyens modernes d'investigation, de recherche, oui. etc., euh, non pas d'autres pyramides, parce qu'il faudrait qu'on aller très très bas, mais d'autres euh, monuments qu'on ne connaît pas. Oui. Et notamment, si on pouvait un jour, et ça c'est ma grande idée que je vends régulièrement au ministre des Antiquités égyptiennes, peut-on creuser sous le 5 parce que le sphinx pose un problème, c'est d'où vient-il et qui l'a fait Et personne ne répond. Alors, égyptologie classique dit, bon, c'est très simple, c'est du, du temps de Képhraïne, point la ligne. Oui. Et pourquoi Képhraïne et pas un autre, je ne oui. pas. Alors si on pouvait creuser sous euh, le sphinx, ce serait intéressant, mais oui. malheureusement, ça c'est totalement interdit. Pour l'instant, pour, pour l'instant. Oui, oui. Alors on découvre de temps en temps, pour revenir à votre question de départ, grâce à des rayons, etc., qui euh, oui. vérifient que les pierres sont chaudes ou froides, que les muons passent ou non oui, à travers oui. les pierres, oui. qu'il existe d'une cavité secrète. Bon, mais on n'a on a, on a jamais, jamais rien creusé. Hein. C'est quand même plus simple d'être archéologue aujourd'hui, il est beaucoup plus rapide ah, qu'être archéologue. Au début, ah ben, du ce, siècle, ce, Ceux qui que... l'ont été, Champollion par, pour commencer par lui, oui. euh, ils ont fait preuve d'abnégation, de souffrance, d'ascétisme, de, oui, de sacrifice. Mais Et Champollion, c'est quand même le Et père de l'égyptologie. Alors hein. que là, vous arrivez avec des instruments, ah des, oui. des ondes. – des... C'est très facile. On envoie des petits des robots, fous, hein. oui. mais euh, les petits robots, ils se percutent contre des murs. Oui, mais il prouve qu'il y a des murs. Il qu'il y a des donc murs. Donc vous avez trouvé un mur. donc… – Mais la pyramide, par exemple, mmh. vous parliez tout à l'heure très justement de la vallée des rois. Mmh. Mais la, la, la montagne qui est derrière la vallée des rois est une pyramide en elle-même. Elle est comme ça. Mmh. Alors on a dit. Elle, donc elle, il faudrait la, la gratter. La gratter, oui. un petit balai. Un petit balai. Alors il faut vraiment beaucoup de petits balais. <laughs> non, c'est. C'est fascinant. Ces voyages en Égypte sont, sont toujours euh, des voyages. Vous une des premières invitées, Madame. <rire> merci. <rire> Alors, on, en, on, on partira avec une équipe de TV Liberté. Ah, ben pourquoi pas C'est une très bonne idée. Faisons un rêve. Oui, euh, faisons un rêve. Euh, merci beaucoup, Jacques Roland. Ceux qui voudraient savoir davantage peuvent euh, acquérir le symbolisme maçonnique de l'Ancienne Égypte. C'est aux éditions euh, Trajectoire. Et, euh, et merci de nous avoir emmenés ainsi au cœur de cette belle pyramide et, et de nous avoir invités à ce nouveau son et lumière. Et on se retrouvera là-bas en 2018. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Amis de TV Liberté, à très vite. Merci.